Hello tout le monde, c'est Elnora22, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la fin de Teen Hearts, un jeu développé par Roxanne et édité par Weird Productions. Installez-vous confortablement sur votre canapé, votre lit, votre chaise de bureau ou sur vos WC, peu importe. Let's go! Dernier acte de ce jeu qui est relativement court, plusieurs succès seront débloqués. Malheureusement, à l'heure actuelle, plusieurs bugs sont à répertorier, dont deux concernant des succès trophées, celui de remporter l'acte 4 sans utiliser d'astuces, ni celui où vous devez assister à toutes les morts possibles de vos soldats. Et de ce fait, vous ne pourrez obtenir un troisième succès, avoir tous les trophées. Un prochain patch devrait corriger ceci. Mais restez avec moi, je vous donne les tips à la fin de l'acte 4. Rubbish. No. No. More rubbish. Lydia. Granddad. Oh. Oh, my girl. My sweet, sweet girl. Violet. No. There's still time. I know what to do. Where are you? Where? Aha! All right, let's finish this. Alors, dans ce quatrième acte, eh bien, nous avons trois niveaux, simplement, donc c'est assez court comme je vous l'ai dit, et il va falloir terminer cette maison de poupées. Vous voyez qu'il nous faut 18 soldats, mais ces 18 soldats, on va pouvoir les apporter en trois niveaux et donc obtenir le succès où nous avons terminé la maison de poupée. Donc pour ce succès là, trophée, pas de problème, il n'y a pas de bug. Donc le niveau ici et le prochain sont assez courts et vous voyez que nous allons un peu plus tard monter à l'étage. Il y aura également un succès où Monsieur Soldat devra prendre l'escalier. Je vais vous montrer tout ça et puis nous aurons notre dernière poule évidemment au niveau 51. Donc voilà. On va déjà commencer par le niveau 49 et vous connaissez la chanson, hein, on ouvre la petite boîte et on appuie sur RB pour mettre pause. Thank you.
Là, vous voyez, pour pouvoir atteindre le tube de téléportation, eh bien, il nous faudra alimenter cette machine grâce à une boule d'énergie. Et je vais vous montrer comment faire. Évidemment, ce sera toujours en sacrifice, malheureusement, d'un soldat. Mais pour l'instant, voilà, on va les faire passer par-dessus la cheminée. Et puis ensuite, vous allez pouvoir leur faire prendre des ballons à deux reprises et atterrir sur la maison au milieu. Voilà, donc on a amené nos 6 premiers soldats. Vous voyez, ce niveau 49, il n'est pas très compliqué. Hein, c'est ultra simple. Et du coup, on va pouvoir se diriger gentiment vers... Vous voyez que la maison a pris un étage. On va pouvoir se diriger du coup vers le niveau 50 et amener le reste des soldats. Allez, on y va, c'est parti. Donc voilà, niveau 50, vous voyez, pas très complexe puisqu'on est juste dans la pièce d'à côté. Donc ici, vous avez un tube de téléportation, nos soldats vont devoir le prendre. Pour cela, évidemment, vous le savez, il va falloir l'activer grâce à la machine où il y a le compteur. Et puis, malheureusement, il faudra également sacrifier un soldat, ce qui va générer de l'électricité. On va pouvoir piquer l'électricité et ensuite débloquer la passerelle pour que les soldats puissent se rendre vers la maison. Voilà, donc il y a un soldat qui va devoir passer sur le tambour, puis sur le canon pour l'activer. Et en fait, ce canon, vous voyez, vous devez le diriger vers la planche qui est près de la chaise. Alors, on la voit malheureusement pas très bien, mais voilà, il faut vraiment essayer de viser cette planche là-bas. Donc, si vous n'y arrivez pas, vous basculez l'affichage, mais vous voyez, chez moi, ça donne pas grand-chose. Donc, vraiment, les commandes inversées, c'est pas mon truc. Donc, voilà, vous... abaisser la planche pour que les soldats ensuite puissent y passer un petit peu plus tard. Mais voilà, donc ça c'est le trajet d'un seul soldat. Et puis une fois qu'il l'a fait, il devra repasser par le tambour et ensuite se sacrifier dans la machine. Et nous, il faudra qu'on bloque le reste du commandement, on va dire, grâce à nos cubes avec les formes. Donc on va les retourner dans tous les sens pour que voilà, ça soit pas le côté diagonal qui se présente, mais bien le côté droit. Donc voilà, deux fois des pads au bas et de même pour le cube là jaune.
Donc, un soldat vient de se sacrifier et il vient de mettre en évidence une boule d'énergie. Donc, on l'utilisera un petit peu plus tard. On va pouvoir maintenant libérer notre commandement. Et grâce au tambour ici, on va pouvoir les faire se diriger vers la planche pour qu'ils puissent ensuite monter les escaliers, enfin plutôt l'échelle, pardon, et passer par la machine où il y a le compteur pour pouvoir activer le tube de téléportation. Et ensuite, on va leur faire prendre un autre tube de téléportation pour aller rejoindre la pièce d'à côté et ensuite rejoindre la maison de poupée. Donc là, vous voyez, ils ont pris le tube de téléportation. Malheureusement, la passerelle n'est pas déployée. Et eh bien, il va nous falloir une boule d'énergie. Ça tombe bien, le soldat qui s'est sacrifié en a fait une. Donc, on va aller pouvoir la piquer et la mettre dans la machine qui va pouvoir déployer la passerelle. Et ensuite, nos soldats pourront rejoindre la maison de poupée. Pour l'instant, je les bloque au cas où. Mais voilà, normalement, c'est le cheminement pour pouvoir accéder à la maison de poupée. Dear Albert, how are you? I hope you have been looking after yourself. It has been well over a year since I last wrote, and I apologize for that. Things have been very busy here. You may have noticed I have been writing less frequently each year to
to update you on Rose. Frankly, as you never seem to write back, I suppose some part of me decided you probably do not care to know. It is not my fault things went the way they did. All I have been trying to do is protect your family. Something I promised Helen I would do, even if it meant protecting it from itself. Whatever happened in the past, though, and whatever your reasons for not writing back, I have to believe that you still care deeply for Rose. So, as difficult as you make it for me, I will continue sending you her news. Especially when it is news like this. You are a grandfather, Albert. Do you remember Henry Cobb, the young lawyer who works for Ernest? That I mentioned in my last letter that he and his family were going to join us at Rose's big recital last year. Well, Henry asked for Rose's hand in marriage that night. They disclosed to us that they have had feelings for each other for a couple of years, but they kept it a secret due to Henry's position at Ernest's firm. Their daughter, Violet, your granddaughter, was born 2 weeks ago. I have enclosed a photograph of her for you. Life goes on, Albert. If there is anything this sweet little creature has taught me, it is that. Maybe she can help you to move on too. Yours, Lydia. P.S. Please, when you're ready, send the photograph back to Ernest's office address, as Rose might ask after it. She does not know I have sent you it, as when I asked if I could, she said no. Nous y sommes, ça y est, c'est le niveau 51, c'est le dernier. Celui-ci se déroule dans plusieurs pièces à l'étage. Vous verrez qu'on commence par la chambre des parents, et puis après, il va y avoir la chambre de la petite, et après, je crois qu'il y a encore une autre pièce, mais je sais pas trop laquelle c'est. Et puis, finalement, il faudra qu'on fasse descendre tout ce joli monde, hein, pour pouvoir les amener vers la maison de poupée. Et donc, dans ce niveau 51, il y aura, comme je vous l'ai dit, plusieurs succès, dont celui où on aura botté l'arrière-train de notre dernière poule, grâce à Monsieur Soldat. Et puis, on va faire en sorte que Monsieur Soldat prenne les escaliers pour pouvoir débloquer un autre succès qui s'appelle « Je prends les escaliers ». Voilà. Et puis à la fin de cet acte, de ce niveau, eh bien, aura normalement les succès classiques, à savoir celui d'avoir terminé l'acte 4, celui d'avoir collectionné tous les soldats. Malheureusement, vous n'aurez pas, comme je vous l'ai dit, et je vous le répète, celui où vous avez terminé l'acte 4 sans astuce. Je vais vous expliquer un petit peu plus tard comment faire pour la suite, pour le futur plutôt. Et puis, vous devriez aussi, à un moment donné, dans cet acte 4 ou 3, peu importe, avoir aussi celui où vous avez assisté à toutes les morts. Ici, il y a votre cinquième mort, si vous ne l'avez pas déjà fait auparavant, mais une des cinquièmes morts consiste à se faire tuer par les araignées. Donc ici, c'est votre dernière possibilité, vous le voyez au-dessus de la cheminée, il y a des araignées, dernière possibilité de pouvoir activer la cinquième mort. Donc là, je vais vous montrer, les soldats vont passer ici et il y aura le sacrifice d'un du commandement, hein, il n'y a pas le choix. Et puis ici, les soldats vont prendre le ballon et on va pouvoir les diriger automatiquement, grâce au sacrifice du soldat, vers ce tuyau de téléportation. Nos soldats vont donc atterrir sur cette fameuse cheminée et passer par-dessus la machine où ils nécessitent une boule d'énergie.
Encore une fois, et je vous le répète, dernière chance pour obtenir la cinquième mort, à savoir celle par les araignées mécaniques qui se trouvent juste au-dessus, comme je vous l'ai dit, de cette cheminée. Donc faites bien attention, il vous faut donc une boule d'énergie, et cette boule d'énergie, elle se trouve tout en bas, là où eh bien, nous avons utilisé justement une des boules pour ouvrir la plateforme. Donc il va falloir redescendre un étage inférieur de manière assez rapide pour pouvoir aller récupérer cette boule d'énergie et ainsi tuer l'araignée. Encore une fois, profitez, si ce n'est pas le cas, d'obtenir votre cinquième mort. Donc voilà, on a pu tuer l'araignée, et puis vous le voyez, donc comme je vous l'expliquais, pour activer ce tube de téléportation, il nous faut donc une boule d'énergie, et on va devoir donc descendre d'un étage pour pouvoir allumer donc cette machine, et ainsi débloquer le tuyau de téléportation. Alors, dans cette pièce, nous allons pouvoir obtenir notre succès de tape le popotin de la poule. Nickel, grâce à notre ami soldat. Et puis, avant d'aller plus loin, eh bien, nous allons lui faire prendre les escaliers. Et donc, obtenir le succès. Je prends les escaliers. Et ensuite, on le fera descendre d'un étage. Et on fera en sorte que tout ce petit monde puisse rejoindre l'étage inférieur. Mais avant cela, on va donc, comme d'habitude, bloquer nos amis soldats, très important, pour que Monsieur Soldat puisse vaquer à ses occupations.
Donc, pour aller trouver notre dernier pool, eh bien, il faut prendre ce tuyau de téléportation, vous le voyez, et on retrouvera la poule. On va la voir par là. Ne bougez pas. Elle est ici, dans le coin de la table. Donc, nous allons donc obtenir notre succès. Voilà, donc on vient de taper le popotin de la poule, on va pouvoir reprendre notre ami soldat, et puis on va donc aller titiller, entre guillemets, le canon, qui est juste ici, voilà, à gauche, et bon, il y a pas mal de bugs, et puis malheureusement, vous vous retrouvez de l'autre côté du mur, ma foi, et ce canon, vous allez donc viser le bouton qui se trouve à droite. De cette manière, eh bien, il va y avoir un sorte de courant d'air qui va se déclencher et permettre ainsi, grâce au ballon, d'aller un petit peu plus loin sur notre trajet. Donc, nous allons nous diriger grâce au ballon sur la table du milieu. Et puis, on va faire en sorte, grâce au ballon, de descendre de manière la plus gentille possible, entre guillemets. Hein, faut pas qu'on se casse. On va tenter d'atterrir vers le sol. Et nous allons prendre les escaliers. Il n'y aura pas besoin de descendre beaucoup de marches. Vous en faites pas. Juste quelques marches jusqu'à l'obtention du succès. Je prends les escaliers. Et puis ensuite, grâce à LT, eh bien, on va faire revenir en arrière Monsieur Soldat pour pouvoir avoir comme point de départ la table centrale. Donc là, voilà, vous descendez quelques marches, vous attendez que le succès pop, trophée pop, et à ce moment-là, LT pour revenir en arrière. Voilà, c'est fait, on a obtenu notre succès trophée. Monsieur Soldat est donc descendu, a donc descendu les marches d'escalier. Donc là, on va le faire revenir en arrière, comme je vous l'ai dit. Et on va pouvoir prendre les ballons qui se trouvent sur la table centrale pour pouvoir poursuivre notre chemin. Sur la table en bois se trouve une araignée, donc faites très attention parce que dès que vous allez vous diriger vers le canon, et bien malheureusement Monsieur Soldat se met automatiquement en marche, vous le voyez hein, Monsieur Araignée a essayé d'attaquer notre pauvre soldat. Donc vous allez d'abord diriger le canon vers la montgolfière ici,
Et puis nous allons chercher une boule d'énergie dans la pièce précédente, vous savez, celle que nous sommes allés déjà chercher à l'étage inférieur pour pouvoir ouvrir ici ce tube de téléportation. Eh bien, on va prendre la boule d'énergie et puis on va gentiment diriger Monsieur Soldat vers le canon et il va y aller de manière automatique et donc nous allons pouvoir tuer l'araignée et ainsi permettre à Monsieur Soldat de continuer son petit chemin. Voilà, surtout ne sacrifiez pas Monsieur Soldat dans la machine parce que Monsieur Soldat doit se rendre à l'étage inférieur pour pouvoir déverrouiller un tube de téléportation. Donc surtout laissez-le où il est. Et puis nous avec nos soldats, donc on va pouvoir les amener gentiment sur la table centrale. Ici, grâce à la montgolfière, eh bien nous avons débloqué les trains contenant les tambours, donc là vous le collez vraiment au maximum au caisson de bois, vous le faites rebondir sur ce deuxième tambour, et puis ici vous approchez à contrario le tambour au maximum, comme ceci, comme ça nos soldats vont pouvoir ensuite répercuter le troisième. Et puis, vous allez faire en sorte de l'amener vers la machine avec le compteur. Donc ça, c'est très important. Ce compteur va donc alimenter non seulement un tube de téléportation, mais aussi fournir de l'énergie à la machine ici présente. Donc voilà. Dans un premier temps, vous allez l'amener, pardon, le troisième tambour vers la table de gauche parce qu'il va falloir sacrifier un soldat. Et une fois que vous le voyez, le soldat a répercuté ce troisième tambour, il va se diriger automatiquement du coup vers la machine. Le reste doit aller vers la machine à compteur comme ceci. Donc faites bien attention, un soldat sacrifié, le reste vers la machine à compteur. Ça va pouvoir permettre ainsi d'alimenter, vous le voyez, le tuyau de téléportation. Donc nos soldats vont pouvoir emprunter ce tuyau de téléportation. Ils vont se retrouver dans la chambre de Rose. Ici, vous allez pouvoir les bloquer sur la commode Rose. Ça, ça porte bien son nom, tiens. Donc vous avez juste à placer ce cube. Voilà, ils vont rebondir. Et puis ils vont tourner indéfiniment donc sur cette commode Rose. Donc voilà, on va les laisser faire. Et puis nous allons pouvoir reprendre le contrôle de Monsieur Soldat qui va permettre... descendre d'un étage pour pouvoir continuer la suite des aventures de nos soldats. Donc voilà, on va reprendre possession de Monsieur Soldat et on va gentiment le ramener. Alors, moi je l'ai fait venir jusqu'ici comme une andouille, évidemment, mais vous pouvez et vous auriez dû plutôt le laisser sur le, le tube de téléportation précédent.
Monsieur Soldat arrive donc à l'étage inférieur. Nous allons lui faire monter l'échelle. Et puis sur cette échelle, ensuite tout en haut de l'échelle, pardon, il y a un tapis roulant. Donc Monsieur Soldat, on va lui faire passer le tapis roulant. Vous le voyez ici. Donc bien de gauche vers la droite. Et puis nous allons prendre ensuite à nouveau le même tuyau de téléportation par lequel nous sommes arrivés. Nous allons ensuite prendre le tuyau de téléportation où nos soldats sont passés pour arriver dans la chambre rose. La chambre de Rose aussi. Et finalement nous allons sacrifier Monsieur Soldat pour la bonne cause. Voilà, donc merci Monsieur Soldat. Et puis ensuite nous allons, grâce au sacrifice de Monsieur Soldat, eh bien, faire descendre ce joli monde vers la... ici, voilà, le salon, je sais pas trop ce que c'est, pour pouvoir les amener gentiment, du coup, à la maison de poupée. Donc voilà, le sacrifice de Monsieur Soldat, et ensuite, on dirige ce joli monde vers la fin. Donc vous voyez, le sacrifice de Monsieur Soldat a permis de débloquer une partie du tuyau qui nous permet donc de descendre d'un étage inférieur. Donc maintenant, on va diriger ce joli monde vers le multiplicateur. Et ensuite, on va commencer gentiment à se rendre donc vers ce fameux tuyau pour pouvoir descendre. Donc là, vous le faites prendre le tambour. Naturellement, ils vont aller vers cette machine. Donc on va les diriger gentiment vers l'échelle. Voilà. Vous voyez, il faut une boule d'énergie. On va s'en occuper. Et vous pouvez replacer donc la pièce par ici. Et vous voyez que, en fait, en passant par le multiplicateur, c'est aussi relié, effectivement, à la machine avec la boule d'énergie. Donc, on va récupérer cette boule d'énergie dans la pièce précédente. De cette manière, on va pouvoir allumer le multiplicateur, comme ceci, faire passer nos soldats par le multiplicateur. Voilà, donc nous aurons nos 6 derniers soldats. Magnifique. Ces derniers vont donc rebondir sur le tambour. On va devoir ensuite placer une pièce. Et ils pourront enfin prendre le tuyau de téléportation qui va les mener vers le bas. On y est presque!
Donc, vous voyez que la passerelle est de nouveau désactivée. Donc, on va faire en sorte que nos soldats se mettent en sécurité en tournant tout autour de la table, grâce au coin. Et nous allons donc récupérer la boule d'énergie qu'on est allé mettre précédemment pour le multiplicateur, pour ainsi la mettre dans la machine à énergie qui se trouve à gauche, afin de pouvoir déployer la passerelle. Et enfin, je dis bien enfin, mener nos soldats vers la maison de poupée. Donc voilà, on va aller récupérer enfin notre dernière boule d'énergie. Dear Lydia, a few days ago, I received your letter. My words cannot describe how overjoyed and moved I was, not only by the news of my granddaughter, but also by your warm words. I do not know how to thank you, sweet sister, for persevering, for not giving up on me, even as I gave you every reason to. Year after year, you stayed with me. Patiently sending me news of my daughter, calmly waiting for me to emerge from this despair I had burrowed myself into. But believe me when I say, sweet sister, emerge I have. For years, I've longed for this epiphany, clinging to brittle hope I'd one day be capable of it. But I know now, I've been weak, too weak to face the mistakes I've made, and I know I've made plenty. But seeing Violet's photograph, it overwhelmed me. In that instant, I felt like I had the strength to take on all my fears, face all my failings, as they did not matter anymore, not truly. All that mattered was my longing to see them. I had to see my granddaughter, see my daughter, hold her in my arms and tell her how sorry I was and how much I had missed her. Please, Lydia. I know it's a lot to ask, but I would like for you to extend an invitation to Rose and her family. There's a lot to discuss, and I've spent the last few days making the appropriate preparations. I even have a big surprise for Violet and Rose, which I'm certain she'd be thrilled to see. I hope I can meet my son-in-law as well. I have some explaining to do to all of them, so I hope they will grant me this opportunity to do just that. I shall await for your response in eager anticipation. Yours truly, Albert.
It's so wonderful to see you, Lydia. Let's take this slowly, Albert. It's been a long time. Oh, yes. Yes, of course. How is Rose? She is well, as is Violet. I told her that I had been in contact with you. And? Albert, you must remember that a lot of time has passed. She has been out of your life for years. You kept her out of your life. You might open the door to let her back in, but she is the one who must choose to walk through it. Yes, of course. But surely she will want to see me soon. She knows I'm a changed man now. You will have to be patient, Albert. Violet doesn't know you. Henry doesn't know you, nor does his family. Rose worries about this. Rose worries about many things. Motherhood is new to her. She wants to get things right. Of course, I understand. Patience. Against my better judgment, I did give her your letter, yes? Well, surely that helped. Well, she spent all night locked in the bathroom, sobbing. I hoped that she would feel better in the morning. She looked composed again, so I asked her if she was ready to see you now. Do you know what she said? Not now, not ever. But, well, I explained in the letter. Losing Helen devastated me. It changed me. I didn't want Rose seeing me like that. Well, I know now that that was a mistake, that I needed to hold her hand to find the way out of the darkness, just as she needed to hold mine. Yes. I did read the letter, Albert. It was a good enough apology you elucidated. But it's not about you anymore, is it? It's not about your apologies, what you did or didn't do, said or didn't say. It's about Rose. It's about what she feels is best for her family. But... yes. I suppose you're right. I know you want to be a dad, a granddad. But you have to give her time, Albert. You shut her out all those years ago. You lost a wife, but she didn't lose just a mother. She lost you too. I know. Give it time, Albert. Time heals all wounds. But only if you don't pick at the scabs. Dear Lydia, you say Rose will come around sooner or later and that I should give her time. But how much time? I've missed Violet's first birthday already, and will I have to miss her second one also? I am not a young man anymore, Lydia. You ask for time, but I fear time is something I am running out of. I did not want to tell you this, as I did not want to alarm you, but I visited Dr. Knowles recently to get a pain in my chest checked. And he said something is wrong with my lungs, probably to do with the fumes from my machines in the workshop. But anyway, what I am saying is, time has never been on the side of this family. You will understand, then, why I feel I should take matters into my own hands at this point and come and see Rose as soon as possible. I appreciate why you feel she must be protected, but this is my daughter we're talking about, and I would very much like to see her now. I have every faith that once I've had a chance to talk to her, all will be fine. You will see, Lydia. Just have faith in me, like you did all these years. Yours, Albert.
Dear Albert, I know this is extremely hard for you, but trust me when I say any other way would be much worse for everyone. And I still think it would be an awfully bad idea for you to show up here unannounced. No one knows how Rose might react, and being that she has requested your existence continues to be kept a secret from Henry, no one knows how he might react either, especially if he feels Rose is threatened in any way. I am sorry about all this. Let us all be patient a while longer. Yours, Lydia. P.S. I am very sorry to hear the news Dr. Knowles gave you. I shall be visiting him soon to find out more, and I shall be visiting you as well, so do let me know if there's anything you need. Dear Lydia, how convenient that Rose and her family would be travelling to the sea on the day that I pay you a visit. What I am still trying to piece together is how you even knew when I'd be visiting. Is Mrs. Gladstone spying in on my movements on your behalf? Is that it, Lydia? I am writing to let you know that two can play at that game. I have very little left in my old age, but there is one thing I do have. That is time. They can't stay at the summer house forever. I will return, you can be sure of it. I will return and I will wait. Dear Lydia, if Ernest wants to escort me away from the premises, he should have the decency to do it himself rather than send your groundskeeper to do it for him. And don't think I didn't see you rushing Rose away from the window. What exactly is going on here, Lydia? I thought you were on my side, but I am starting to believe that this is not the case. Dear Rosie, this is your father. You may be surprised to be receiving this letter. You may find it hard to believe it's genuine. Or maybe you already know I've been desperately trying to reach you. I'm really not sure what to think anymore. But either way, the fact of the matter is that I am desperately trying to reach you. Dear Lydia, I am sorry I lost my temper and fabricated those ridiculous allegations. You are right, they were ridiculous. And I'm not sure what got in me. Dear Henry, you don't know me, but you will probably be very surprised to learn that for the past 3 years, you've been married to my daughter. Dear Ernest, you can't keep doing this. Do you think you are the only lawyer in town? You know who I am, you know who I've been, and you know the reach of my previous employer's network. Dear Violet, the fact I haven't contacted them, this is your grandpa. I make toys. I would love to show you some of the toys I've made one day. I made many, many toys for many little boys and many little girls, but my favourite little girl to make toys for was your mum. When she was little, I made lots of lovely toys just for her. Please, why won't you let me see them? Just let me talk to her for a few moments and then I will disappear again if that's what you want. Dear Rose, I just wanted for you to be happy. Yours, Albert. Thank you.
triste fin que celle d'Albert, malheureusement, qui a perdu sa fille suite au décès donc de sa femme et qui a senti qu'il ne pouvait pas élever correctement sa fille et qui malheureusement, ben, du coup, elle s'est éloignée de lui. Alors, on va juste quitter cette petite maison. Vous voyez qu'on est dans la maison de poupée, si vous regardez bien par les fenêtres. Et puis ensuite, on aura un long épilogue. Et ensuite, on se retrouve après pour que je puisse vous expliquer les derniers succès qui nous restent. Why weren't you open? Maybe if I turn it this way. Oh, it's open. Whew. What a peculiar room. Violet? Hello? Is anyone in here? Ooh, so many beautiful things. Oh, pretty book. What secrets are you hiding, pretty box? Violet! Violet? Oh, there you are. Can't you hear me calling, child? How did you get in here? I thought this room was locked. Ah! Mummy, Mummy, look! Oh, Violet, what have you done now? Look, Mummy, it's a little soldier. He just came out that box. I asked you not to touch anything while we're in this house, remember? Look at him go, Mummy! Where is he going now? Ah! Did you see that? That toy cannon fired a ball. Please, Violet, let us go now. Oh, the ball from the cannon pushed the train. Look. Yes, dear, I am looking. Where did the little soldier go? I am looking. There he is. What's this toy over here? I believe that is a balloon machine, dear. A balloon ma... Look, Mummy, it's moving, it's moving. It's blowing up a balloon. Yes, I can see that. Look, off he goes. Whee! Wait, Mr. Soldier. Wait for me. What are all these other contraptions over here? Ooh, bouncy. Don't get too close, please. Look, he's going in that little house, Mummy. That is the strangest looking toy I have ever seen. Yes, well, that's not exactly a toy, you see. Where did he go? Oh, there he is. He just came out on the other side. Oh, but look, there's another one now. Back there, can you see? There's two of them now, Mummy, look. Yes, dear, there's two of them. I know, I know. It looks like this one is going into... Whoa, where did he go? He got sucked into that machine. Did you see? Oh, no. He's not broken, is he? No,
he's not broken, dear. He's just not quite there anymore, I suppose. The other one is still there. But where's the first one go? Violet, here. Come take a look. Oh, he's back. Hello, Mr. Soldier, sir. Where are you headed to now, I wonder? And is your little friend still there? Ah, yes. There he is. You're going that way, and you're going that way. Where do you think they're going to, Mummy? I'm not entirely sure, dear. Mummy, look! Look, it's an enormous dollhouse! Yes. The little soldiers made it appear, did you see? As if by magic! Yes, dear, I see it. Oh, Mummy, look! It is so pretty! Isn't that the house we're in? It is, isn't it, Mummy? Look, the big white door with the pretty colours. And look, you can see the rooms too, through the windows. That's the room upstairs with a big piano. You can even see the room we're in, Mummy. It's the same house, isn't it? Isn't it, Mummy? Mummy? Are you crying? Come. I love you so much. You know that? Sit. I think it's time I told you a story. A story? Like a fairy tale? I suppose. Only this one is actually real. It's a story about the man who built that dollhouse. It's a story about your grandfather. To remember, come with me. I'll help you understand. All I need to light your way is one small ember. I know you feel lost. I know you feel pain. You have trading curious worlds and unknown horizons. Though the night is cold, my love, you've been bold. You have conquered mountains, plains, and deepest canyons. In the here and now, you found your way to me. And there's nowhere else to be. Rest your weary head. Take my hand and return.
Voilà, il nous manque plus que 3 succès. Ce que je vous avais expliqué en tout début de vidéo, eh bien, 2 sont buggés à l'heure actuelle. Concernant la non-utilisation des astuces durant l'acte 4, eh bien, il faudra apparemment rejouer uniquement l'épilogue.
Donc évidemment, ben, je l'ai fait et je n'ai pas obtenu mon succès trophée, donc patience, il faudra un patch. Pour la mort des soldats, n'oubliez pas que ce sont les soldats non contrôlables qui doivent mourir, et là je vais vous donner donc les niveaux et les noms des morts. Vous avez mourir naturellement en tombant, et ça c'est dans n'importe quel niveau. Vous avez Jack in the box, on l'a fait dans le niveau 14. Vous avez également écrasé par le presse-purée, ça c'est niveau 34. La mort par les pattes d'araignée, qui est une mort automatique, on l'a vu dans le niveau 42. Et enfin, mourir par les araignées en soi, eh bien, vous pouvez le faire durant l'acte numéro 4. Voilà, on va maintenant s'attaquer au succès trophée des 250 soldats morts dans l'action. Et pour ça, eh bien, je vais vous amener au niveau 10, ce qui est parfait pour ça et qui compte, comme je vous l'ai dit, comme faisant partie de la première mort sur 5. Voilà, donc niveau 10, comme je vous l'ai dit, c'est parfait pour ça. Vous devez faire donc tomber 250 soldats dans l'action. Et pour ça, bah, il n'y a rien de plus simple. Vous faites sortir vos 10 soldats, il y en a 10. Vous les faites avancer, ils meurent. Voilà, les 10 tombent. Parfait. Et ensuite, eh bien, vous allez appuyer de nouveau sur la boîte en appuyant donc sur A. Ça va faire revenir vos soldats. Voilà, et vous recommencez le processus. Donc s'il y a 10 soldats, comptez à peu près 25 fois, hein, si jamais vos soldats ne sont jamais tombés. Je suis fort en maths quand même. Et puis, bah, vous faites cela jusqu'à l'obtention du succès, qui s'appelle Chair à canon. Comme je vous ai dit, elle fait partie de la première mort sur les 5. Pour être comptabilisé comme mort, il vous faudra le petit logo de sauvegarde. Et voilà, ça doit évidemment apparaître, ce petit logo de sauvegarde, dans les 4 autres morts. Pour l'instant, comme je vous ai dit, c'est buggé. On espère très prochainement un patch qui pourra corriger tous ces problèmes. Et ainsi obtenir, donc, comme je vous l'ai dit, les 3 succès qui nous manquent. Voilà, Teen Hearts, c'est terminé. Félicitations. Malheureusement, voilà, comme je vous l'ai dit, pas complet à 100%. Désolé, j'ai vu que certains avaient réussi à débloquer la mort, toutes les morts possibles par les soldats. Pour ma part, j'y suis pas arrivée, peut-être que vous allez y arriver. En tout cas, lors de l'enregistrement, pour mon cas, ce n'était pas faisable. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un pouce vers le haut sur la vidéo, à la partager ou à commenter. Je réponds très volontiers à vos questions. Rejoignez-moi sur Twitch, je suis également sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. Ciao.